Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Vipère. Désolé pour les deux, trois petites minutes de retard que j'ai sur le stream. Je l'avais annoncé à 18h30, mais il fallait que je finisse de manger, donc voilà. C'est super important, en plus avec les chaleurs qu'il fait ici en Belgique, c'est pas toujours facile. Voilà. On va reprendre. Bon, pour ceux qui n'ont pas encore suivi, j'ai déjà fait trois streams sur Ratchet Gladiator. Donc si vous avez déjà loupé, c'est pas grave, vous pouvez toujours revoir mes rediffs et bientôt je mettrai la suite sur YouTube. Donc vous ne manquerez rien du tout. On va recharger de toute façon en concurrent. Concurrent qui est le mode difficulté standard, je me répète encore, mais c'est pas grave. Et bienvenue pour ceux qui vont rejoindre ce stream en route. Ce petit train en cours de route. C'est parti. Donc, qu'est-ce que j'ai? C'est vrai que j'ai bientôt toutes les armes. J'ai pas mal de modifs. J'ai essayé de régler. Ouh, le présage. Ah, ok. L'Apocolator et le TELT. Ok, donc ceux qui ne connaissent pas, c'est. Le TELT, c'est une des armes les plus puissantes dans les précédents Ratchet. Voilà. Simplement. Donc je vais l'acheter la dernière modif de ma clé, je crois. Elle est en feu. Donc elle fait masse dégâts. Elle a vraiment, vraiment beaucoup d'avantages par rapport à la clé de base. Je crois qu'elle va plus loin aussi quand on la lance. Ouais, c'est ça, elle va plus loin quand on la lance. Et ça, ce sont mes petits robots. J'ai acheté une dernière modif, la couleur, le destructeur et la tête gardien. On voit de base, ils ont la tête Dreadzone, 3030. Et ici, j'ai acheté la tête gardien. Wow, tranquille. Avec la couleur destructeur, alors que de base ils ont le royal. Donc voilà, c'est, je me suis fait un petit plaisir, un Hey, petit mais c'est kiff mes comme deux ça. robots de combat préférés! Petit kiff comme ça. Salut à toi! Donc ici, ma mission suivante, c'est d'aller au dôme de combat. Je crois que c'est pour un tournoi. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est pour un tournoi. Donc ça veut dire le grade suivant. C'est ça, le tournoi batailleur. Donc ça va être le grade suivant. Et maintenant, la manche du changement Ok. d'armes. Juanita et moi, nous allons choisir à tout moment quelle arme Ratchet doit utiliser. Vous êtes prête, Ah, je Juanita? peux avoir que ça. Ah, je peux même pas utiliser ma clé. Oh là 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 là, la catastrophe. Mais. Il est pas mort. Oh. Super. Okay, je vais essayer de m'aligner pour les prendre en pochette. Voilà. Et deux, trois. Hop, on va essayer de se mettre. Ah, ils sont blindés. Ils sont blindés, les petits. Voilà. Ouh, j'ai bien manqué. C'est quoi ça? Ah, mon fléau. Ça, c'est bon. Ça, je vais pouvoir économiser les munitions. Waouh! Le présentateur est impressionné! Hop. Composez le numéro qui s'affiche à l'écran afin de voter pour votre arme préférée. Et maintenant, le choix de nos Elles sont très fortes. holospectateurs va s'afficher! 3, 2, Un. Ah, bah, nice. Je l'ai fait monter de niveau. 1, Bienvenue le à toi sur le voilà! chat. Ah, c'est les. Waouh! Trop cher. Je vais essayer, avant le changement d'arme, d'avancer au maximum Voyons de comment mine. Ratchet se débrouille avec ceci. Ah non, voilà. Il y a changement d'arme. Oh, c'est la glace. Non. Je vais remettre sur celui-là. Je vais remettre l'électricité.
Hop. Fais-nous une démonstration avec ça, espèce de lombax. Je vais faire lance-mine, mais j'ai pas de lance-mine, j'ai l'arbitre. Ok. Ok. Oui. Aïe. Mauvais, mauvais, mauvais pour les affaires. Mauvais pour les affaires. Toujours rester en mouvement avec eux, parce que sinon. Oh, hop. Ah là, la belle esquive, la belle esquive. Ça c'est beau ça. Oh, j'aime pas celui-là, j'aime pas celui-là. Oh, plus j'ai l'un de... On va changer. Tac, tac, je vais prendre la munition gel. Oh, il y en a un autre. C'est la dernière manche, dis-moi que c'est bon. Oh. Chaud, chaud. Chaud, chaud. 11 points de compétence sur 15, ça c'est beau. Quoi ? Non, il faut que je rechange, il faut que je reprenne l'électricité avec ça du coup. L'équipe Dark Star doit éviter un bombardement massif de la flotte des cuirassés. Qui sont les malades qui ont conçu ce défi? Réacteur et shell shock? Tout s'explique. J'ignorais qu'ils étaient amis. Ils font du covoiturage? Pardon? Ah oui! En avant pour l'action! Ah ok, mais c'est de nouveau le son et ses paramètres de jeu. Bah oui, le son remonte. Voilà. Avant que je... Aïe. Ça fait beaucoup de dégâts. Okay. Qu'est-ce qu'il y a pendant une minute 36? Peut-être que je survive. Cette créature est bien... Ah, niveau 9, oui. Trop dangereuse pour être en liberté. Il faut la détruire. C'est sérieux. Mais je l'ai vite. Ok, c'est bon, je l'ai fait. Ouh. Ah, ça c'est fait. Prendre zéro dégâts là-dessus, bienvenue, c'est pour le combat du siècle, fan de Dreadzone. Voici le Challenger, connu pour ses exploits dans le crime organisé, sa passion de l'occultisme et sa haine du soleil, des chiots et du chocolat. Voici Ratchet. Son adversaire est un pro de l'éventration et un chef redoutable. Mesdames et messieurs, l'Eviscérator. Dallas, j'ai bien peur d'assister à un combat très bref et surtout très sanglant. Je suis presque triste pour le petit Ratchet.
C'était une blague. Je suppose qu'il ne sera pas... Avec ça... La tourelle... Je vais prendre ça... Ça avec... Je vais essayer de le geler. On va essayer de voir si ça fonctionne. Alors, dans ce cas-là, je vais essayer le poison. Oui, je sais, c'est de la triche, je m'en fiche. Ah oui, il peut invoquer ça, lui. Ah ben, si t'invoque, moi aussi. Tu triches, moi aussi. Salut, merci d'être venu. Et voilà. Merci Evisceraton. Bon, j'ai pris pas beaucoup de dégâts. Facile. Et je suis devenu batailleur avec un badge en or. Stygia. Maraxus. Ça peut le faire, peut le faire. Place à notre nouveau batailleur. Ah, cette armure, elle est stylée. Yo, Al, j'ai speedé comme un lapin. Silence, j'ai besoin de toute ma concentration. Mais qu'est-ce que tu fais? Clank, t'es sûr de ton coup? C'est un risque à courir. Chut, je n'ai plus qu'un circuit à fermer. Al, t'es un génie, t'as réussi. Je sais. Non! Non! On dirait que quelqu'un enfreint les règles. Remets-le. Ace, t'es mort. Oh, très bien. Bon état d'esprit. Ça te servira dans l'arène. Il a tué le pauvre. Ah non, ça aurait jamais dû arriver. Tout ça, c'est ma faute. Non, Ratchet. Ace Hardlight l'a fait. Sur ordre de Gleeman Vox. Ils ont fait une énorme erreur en s'en prenant à nous, Clank. Ils vont le regretter. Exactement. Je me disais la même chose. J'ai des sous? Oui. Et c'est combien le truc? Ah oui. C'est juste 2 millions. Bah, on va économiser, c'est le moins que je puisse dire, économiser. Ah oui, pour ceux qui se posent la question,
Ratchet, j'ai déjà eu la question. La planète Stygia est maintenant accessible. J'ai déjà eu la question, pourquoi est-ce que je mets pas la caméra? Tout simplement parce que ma maison est en travaux. Et donc ça la fout mal de vous présenter un truc pas propre en soi. Voilà. Ouais, ça, j'aime pas trop présenter un truc pas propre à mes viewers. Nous y voilà, cher public. La tour de pouvoir a été totalement reconstruite par les employés de Dreadzone. Ces types sont des crétins finis. Ils seraient incapables de faire cuire des pâtes alors concevoir un défi pour la reine. L'équipe Darkstar est dans le caca. Et ils sont mes robots. J'ai plus mes robots avec moi. Pourquoi j'ai plus mes robots? Oui, ok. Tac, tac. Ça va se retourner. Je peux y aller. Allez, fais regretter à ce blaireau d'être né. Forcément. On est mauvais, on est mauvais. Donc là, il faut que j'aille là. Oui, je pourrais pas parce qu'ils sont... Ils sont décalés. Ah, oh, j'aurais pu y aller, tête de blaireau. Okay. Mais non, mais... Ça me rend fou. Ça me rend fou, littéralement fou. Ah, mais allez, sérieux, c'est bon. Je vais mourir comme ça sur un bête défi. Sur un défi de parcours. Super. Parce que je prends pas mon temps. Et en plus de ça, moi je fais perdre votre temps aussi. Pas cool de ma part. Ok. Bravo. Bravo aussi. Oh. Ok. Si je peux faire ça, je peux faire le reste. J'ai jamais plus que 20 points de vie sur 47. Oui. Qui a parlé de points de vie? Ah, personne. J'ai besoin de ça. Ok. Passe entre les balles. Je suis une fougère. Je suis une fougère. Ça alors? Aïe. Ce coup me rappelle les fessées de maman. Aïe. Maman! J'ai parié à 10 contre 1 que Ratchet échouerait. Et je n'ai plus qu'une chose à dire. 5 PV. Je suis riche! Ouh,
Allez, concentré. Ah si, je peux prendre un clair. Aïe. 2 PV. 2 PV. Ah, raté, c'est bon. Ah, bon, je peux recommencer. Ah non, quoi. Tout ça parce que j'ai raté le premier défi. Comate B. Dommage. Grave. Ah, si, c'est grave. Et attends, y'a un problème là. Ah super, 7 PV déjà perdu. Ah, maintenant ce coup-ci je prends mon temps, c'est mort. Calcule bien ton coup, t'as moyen de tout faire. Pas de forme en dessous. Bravo. L'équipe ouais, Markstar est en train de prendre ses marques dans Red Zone. Ouais. L'équipe bon. Markstar est en train de prendre ses darks dans Red Zone. Oh mon dieu, j'ai louché. Oui, bah oui, ils passent leur temps à m'insulter au lieu de m'encourager. Ouais, forcément. Ouais, c'est pas drôle. Voilà. Mais oui, j'ai pas sauté. Ah, quel boulet. Quel boulet. J'ai pas sauté. J'aurais dû sauter plus seulement, tu vois. J'avais oublié que c'était une plateforme qui bougeait. Sérieux. Mais non, quel boulet, quel boulet. Semble affaibli. J'ai perdu le défi encore une fois, mais non. Ah, je sais pas ce que j'ai, hein. Je vais trop me précipiter à mon avis. Parce que je perds bêtement des PV pour rien. Ok, j'ai perdu qu'un peu moins. Beaucoup mieux. Ah bah là, je commence à connaître le truc par cœur. Super. Pas perdre la place.
Allez, c'est parti. Là, je suis plus fort. Là, c'est du lourd. J'ai pris qu'une fois des dégâts. Incroyable. Non, non, le poulet. Prends ça, Lombax. Allez, forcément. Je trouve le timing. Ok. Personne ne peut m'accueillir. Pourquoi vous ne voulez pas? Ok. Fiouf. Eh ben pas facile le défi hein. Ça valait bien les 20 000 points de terreur. Ah vache. Tire-bouchon, c'est déglissé, sommet sinistre, tire-bouchon, raison. Ok. Ratchet va devoir utiliser les nœuds pour aligner les glissorails. Va les chercher, Nabo à poil. Ouais, forcément. Ah oui, sinon c'est pas drôle. Cours, Ratchet, cours! Oh, j'ai pas besoin de tous les aligner. Ah, y'en a un que j'ai loupé ou quoi? Bon, non, visiblement, j'en ai pas loupé. Ah, voilà. Ah.
Mini tourelle de prendre en place, c'est tout cool. J'ai dû louper un truc, littéralement. Ils sont tous verts. Ah, au-dessus, là. Ah, mais non. Ok. Et au-dessus, il y en a. Centre, ils ont déjà tout cet effet. Donc normalement, j'ai rien à faire. Tout se passe bien, j'ai rien à faire. Vous avez déjà vu le diable au clair de lune? Moi, oui, c'est fabuleux! Trop bien ce défi. Ah, bien. J'ai bien aimé le défi précédent, il y avait de vrais challenges. Pour moi, en tout cas. Notre Lombax n'est pas avare de dégâts. Heureusement que nous sommes... Je vais passer mes vipères à niveau 10. Voilà, duo de rapace. Ouh. Le skin a changé. Hors de portée, Juanita. Nous duo de rapace, qu'est-ce qu'il a, duo de rapace? Augmente de 50% le nombre de boulons reçus, c'est ça? Ah ouais. Ah oui. Ça c'est du lourd. Ça c'est du lourd. Bien hors de portée. Hein? Et les munitions rebondissent. Vous avez vu? Ah mais quelle dinguerie! Quelle dinguerie! J'ai plus de défis, vous êtes parti pour les planètes maintenant. Et maintenant, c'est une véritable dinguerie ce qui se passe. Présage, oui, je peux pas, mais transformation, je vais pas la prendre maintenant la transformation. Hop. Ah, les planètes Stygia. Voilà, c'est à peu près ce qui se passe. Donc c'est le principal objectif de Ratchet là actuellement. Monter les armes. La planète Stygia, un monde ravagé par d'incessantes pluies de météorites. Sans son puissant bouclier de défense, cette planète serait totalement réduite à néant en quelques petites heures. Or, quelqu'un a détruit l'inducteur du bouclier. Qui a bien pu porter un coup si terrible au peuple de Stygia? Je l'ignore, mais c'est une aubaine pour la HV réalité. Ne ratez pas le prochain épisode de Dreadzone! Et si vous habitez sur Stygia, ce sera le dernier! Oh, l'enfoiré. L'enfoiré, l'enfoiré. Les pauvres habitants de Stygia. On va les sauver. On va les sauver. Rassurez-vous. On est là pour ça. Et puis après tout, pour ceux qui connaissent, c'est pas la première fois qu'on sauve la galaxie. Ah, la planète Stygia. Nous sommes en direct de la gare de Tempus, à quelques centaines de mètres au-dessus du sol, où la population est généralement protégée par de puissants boucliers anti-météores. Sauf aujourd'hui, nous les avons désactivés. L'équipe Darkstar parviendra-t-elle à détruire les brouilleurs et sauver Stygia? Dans cette ultime manche, le sort de toute une planète repose sur eux. Ratchet,
Tu vas devoir utiliser le Rodator pour détruire les blocs d'alimentation situés de chaque côté du champ énergétique. Mais fais vite, la population de Stygia est en grand danger. Eh bien, les amis, cette épreuve va donner du fil à retordre à nos Lascars. Mais il est vrai que l'équipe Dark Star en avait d'autres. Allez, c'est parti, c'est parti. J'ai le son, j'ai l'impression que le son est monté super fort encore. Après, c'est peut-être une... Ok, une météo... un laser suffit. Vous avez une minute pour me ressusciter? Bien sûr, bien sûr, bien. Bulldead, je sais pas comment je fais pour les désactiver. Ok. C'est cool, il y a un ennemi là. Ah, oh mon dieu! Faites qu'on ne tire pas dessus! Ok, on va se faire un petit coup. Ah, mes petits robots, ils font ça bien. Alors, ah oui, bien sûr. Je suis touché! Continuez sans moi! Non, mais non. Ah. Les robots, ils mangent, hein? Bon, après, en même temps. Prenne pour moi donc ceci. Ok. T'as trépassé beaucoup. Pile. Facile, mais pas loin. Je sais pas si je peux quitter le Rodator. Ah, déjà fait. 0 points, ouais, forcément, 0 points de compétence. Connecteur éclair. Oh, ça n'est pas de chance! L'équipe Dark Star a endommagé la tour de contrôle. Les boucliers sont.
HS, complètement HS. C'est la ca... c'est la caca... c'est la catastrophe. Oh oui. L'équipe Darkstar va apparemment devoir activer les boucliers manuellement. Sauf que c'est impossible. Ils ont besoin de robots techniciens, de super ordinateurs. Mais du coup, le faisceau électrique n'est plus intéressant. Le mieux, c'est le gel, du coup, vu que ça rebondit. Mais le mieux, je pense, je vais monter mes armes. Qu'est-ce que je peux monter? V9, les holobouclés. Je vais prendre les tourelles. Et magma. Et d'une grande clé en argent. Oui, bon, peut-être pas la clé, mais avouez que ce serait cool. Carrément, délire même. J'ai un plan. Si tu parviens à désactiver les collecteurs d'éclairs, je pourrais les recalibrer manuellement d'ici. C'est réglé pour le premier. Nous allons maintenant faire une petite pause. Mais il est presque midi, c'est l'heure de l'apéro. Que faites-vous? Voici pour vous, ma belle. Je vous ordonne de rester de votre côté. Si vous loupez cet hyperswing, vous mourrez dans d'horribles souffrances. Mais je ne veux pas mettre la pression. Deux de moins, il faut garder le rythme. Ah, super. Crois-moi, chef, on y est presque. Allez, meurs! Je suis occupé de faire monter mes armes. Voilà. Alors, suivant, on glissera ici. Allez, sérieusement. Tourelle.
Oh non, le deck, ok. Ça m'a remis bien. Pour le canon. Ok. Bien compris. Toutes les antennes sont HS. Ok. Désolé. Langage de militaire. Pauvre Ratchet. Il a l'overship mais ne sait pas où aller. Après avoir recalibré les collecteurs d'éclairs, l'étape suivante consistait à pirater les postes de contrôle du générateur de boucliers. Et hop là, boum, les boucliers sont levés. Sauf que le générateur de la station a pris un vilain coup. Et il y a des radiations partout. Et puis j'ai dit hop là, boum, non mais qui a écrit le texte? C'est n'importe quoi. Chef, on va y aller. Vous nous avez permis d'arriver jusque-là. On vous doit une fière chandelle. On va pirater les postes de contrôle. Pour ça, vous devez nous couvrir avec l'overship. Couvrez-nous, chef! Je ne veux pas finir à la casse! À dire vrai, je suis épaté que ce blaireau soit encore en vie. Qu'en pensez-vous, Juanita? Le Lombax affiche une capacité étonnante à s'échapper en préservant sa misérable cachette, Dallas. Très décevant. Excellent travail, équipe Darkstar. On n'arrête pas un marine. Oh non, Dreadzone a attaqué de plein fouet le générateur de boucliers. Si l'équipe Darkstar ne part pas à l'attaque, les habitants de Stygia vont se faire aplatir comme des crêpes au chocolat et à la banane saupoudrée de noix de coco. Je peux avoir un petit déj à la place du dîner? Ok, peuple de Stygia, équipe Darkstar et vilain de Dreadzone. Bon appétit. Attendez, je reviens. Attendez les petits viewers, je reviens tout de suite. Je reviens tout de suite.
Me revoilà. Désolé, un livreur. Oui, c'est vrai. Je t'ai occupé de faire un carrelage. Pourquoi ça change toutes mes armes comme ça? Alors, on va modifier ça, on va reprendre ça. Hop. Ok, et je vais reprendre. Qu'est-ce que j'avais pris? Les mini-tourelles, c'est vrai. C'est le bouclier. J'ai fait des dégâts pour rien tout en plus. Allez, le bouclier, je vais essayer de le faire passer niveau 10. Ce serait cool si je pouvais le faire. Ok, la campagne est finie. J'ai tout protégé. Un badge noir. Ok, donc on connaît déjà la couleur de la prochaine armure. Puisque tout a suivi. Badge vert. Puis badge bleu. Puis badge jaune. Puis maintenant badge noir. J'ai tout fini? Ah, j'ai pas de... Ok. Ah, j'ai pas de défi. Ok, sur celle-là, il n'y a pas de défi, ok, ma foi. C'est parti pour Maraxxus, hein. Et je pense qu'après Maraxxus, je m'arrêterai. Je pense même que j'y vais déjà m'arrêter. Je pense même que je vais déjà m'arrêter, parce que j'ai des petits trucs à faire. Aujourd'hui, notre concurrent vedette a du pain sur la planche. Ses robots se trouvent à différents endroits de la prison, sous étroite surveillance. Pour s'évader, Ratchet devra libérer les captifs, puis affronter une armée de robots tueurs. Ok. Le classique, quoi. Vite, Ratchet. Le classique. Jet, ils ont enfermé tes bottes de combat dans différents blocs de la prison. Va dans le bloc Alpha pour libérer ton premier bot. Ok, et eh bien voilà, je vais m'arrêter là et je vais sauvegarder. J'espère que les petits viewers, ça vous aura plu, les petits gamers, pardon. Et on se retrouve très vite pour un prochain stream.